Bonjour à tous. Habituellement, je vous lis une histoire en début de semaine. Je n'avais pas pensé à le faire avant, mais pourquoi pas en vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous lire l'album Patate. C'est un album de Christian Volz, toujours cet auteur qui fait ses bonhommes en fil de fer. Patate. Grom, ce n'est pas la joie aujourd'hui. Grrr. Monsieur Marcel n'a pas tiré le moindre animal, pas un seul chevreuil, pas un seul lièvre bondissant, ni même un tout petit oiseau qui chante, rien de rien. Rentre bredouille, le monsieur Marcel. Grrr, ce n'est pas la grande forme par ici. Monsieur Albert n'a pas pêché le moindre poisson, pas un seul brochet, pas une seule carpe muette, ni même une toute petite ablette qui frétille, rien de rien. Rentre bredouille, le monsieur Albert. Gromle. Oh, des pommes de terre, a dit monsieur Marcel. Avec du poivre et beaucoup de lait, en purée, pour ce soir, ce sera parfait. Et des pommes de terre, a dit monsieur Albert. Bien croustillantes et juste salées, c'est en frites que je vais m'en régaler. Bien le bonjour, monsieur Albert, a dit monsieur Marcel. Voilà des pommes de terre comme j'en rêvais. Par ici, la bonne purée. Je vous prie de m'excuser, monsieur Marcel, a dit monsieur Albert. Ces patates sont à moi et il y aura des frites au repas. Écoutez, Albert, ces patates, c'est moi qui les ai plantées là. Je n'en démordrai pas. Comment ça, Marcel? C'est moi qui les ai cultivés. Il n'y a pas à discuter. Ça va friter, gros plein de soupe. Oh, purée, répète pour voir, espèce de sale nouille. Pan, sur le nez. Paf, dans les dents. Délicieuse cette carotte, miam! Burp. Manger des carottes, ça rend aimable. Voilà, donc ça change un peu comme présentation par rapport à d'habitude, mais l'avantage, c'est que si vous voulez réécouter l'histoire, il y a juste à repasser la vidéo. À bientôt!